tout ce cirque. Tac, tac, tac. Et les parties hautes, là, elles sont vraiment, je pense que c'est intéressant. Ok. Ah, voilà, nous voilà. Viella, dans les Pyrénées espagnoles. Le beau temps arrive, la neige est là, l'hélicoptère aussi. Alors normalement, on va avoir une journée splendide, si tout va bien. On prépare le matériel et puis on attaque. Alors la zone, on va regarder, la qui nous intéresse, c'est les chutes et la sacrette. Au sommet de la première, matin, première des pauses, il y a énormément, en tout cas ce matin ça se calme un peu, mais sur les sommets il y a énormément de vent. Partout on survolait, ça faisait partir des plaques. Donc là on va chercher des toutes petites choses tranquilles sur lesquelles on peut skier pour faire des jolies images. Cette année j'ai incroyablement bonne, mais dès que c'est engagé, c'est trop dangereux. Il y a le vent qui s'ouvre de plus en plus, alors on a du mal à poser. On cherche un endroit un peu plus tranquille. J'ai mis en place. Je crois que c'est Jean-Yves qui va partir en premier. Je descends droit dans le boulet. Après il y a Jérémy là, je vais le voir en face, hein. Ça risque d'être super beau. Ça t'appelle. Allez, joli virage. Tiens, viens là, on va prendre un petit après-ski, un petit tapas. On a vu trop sympa de la station. Alors on va aller goûter les spécialités espagnoles. Santé, amitié, fraternité, puis un petit peu de sexualité. Gamin. On le prend parce qu'il faut le former. Et puis surtout, patatas fritas. C'est seulement chez lui. Celui-là, il a la flûte. Celui-là, il est un peu aussi. C'est de nouveau, ça. Ça coûte. I'm born in the USA. Maintenant, nous allons manger les célèbres patatas fritas de Arties. Il pile le pain et la tomate, la rempile, l'étendie et le donne à celui-ci. Prenez-en, mangez-en, tout ceci est mon corps livré pour vous.